Hey, salut tout le monde, c'est Flaria, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mario Odyssey dont j'ai encore oublié le chiffre et on est parti tout de suite. Alors du coup, il me semble que pays des gratte-ciel, si je dis pas de bêtises. Yes, c'est ça. Du coup, il est probable qu'on le finisse pas. Enfin, comme j'avais dit, on va bien le fouiller et tout, mais voilà. Alors, maintenant que je vois, j'ai eu une mise à jour d'OBS juste avant de lancer le record. Il y a plein d'options qui sont ajoutées. Je sais pas ce que c'est. Aucune source sélectionnée, propriété, filtre. J'ai une option démarrer la caméra virtuelle. Je ne sais pas ce que c'est. Whatever. Du coup, j'espère que vous allez bien. Et moi, j'ai déjà plein de trucs à vous raconter. J'aime bien ce let's play parce que je vous raconte n'importe quoi. Donc, oui, alors le son de ma voix est peut-être un peu différent parce que j'ai bougé de pièces. Il y a des pièces dans ma maison et mon bureau, enfin mon setup et mon bureau et tout en fait était dans une pièce. Et maintenant c'est dans une autre pièce. Je l'ai fait ça, je suis sûr que je l'ai fait. Du coup, voilà, mais... Il y a énormément de... Ouais, je l'ai fait. Il y a que des points positifs, franchement. Il y a vraiment que des points positifs à ça. Et on m'envoie des messages quand je viens de lancer un record. Donc du coup... oui, donc en ce moment, enfin, je vais réussir à trouver mes mots. Alors, direct. Non, il y a que des taxis, donc faut que je trouve le vaisseau. Ah non, ah. Allez, à boule. Je vois des pièces violettes sur un toit, je vois Peach sur un autre toit, je vois une lune qui vole. Ce pays, on l'avait pas beaucoup avancé. Combien de quoi? Ok. Je suis venu ici en voyage avec deux copains, mais je sais pas où ils sont. Ah, deux. Ah non, il y a la corde. Alors le Mario, je sais plus si on l'avait fait. Il faut écrire Mario avec les lettres qui sont là. Du coup, oui, j'ai... Le changement majeur, c'est que maintenant, j'ai une connexion filaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que avant, ma connexion internet c'était une blague. C'est-à-dire que j'avais genre 10 mégas en téléchargement par seconde et 1 en upload. Oh, d'accord, c'est gratuit. Donc, du coup, j'ai une connexion de filaire, donc j'ai 11 de ping en constant. J'ai quasiment 1 giga par seconde en téléchargement et entre 380 et 500... et 500 mégas par seconde en upload. Ce qui est complètement dingue parce que... ok, bah il faut faire 100 mais je sais pas comment c'est possible. Oui, je connais le mode d'emploi, merci. Même dans mes rêves les plus fous, j'arrive pas à faire 100 sauts, ouais. Ah là là. Salut, je... Oui, alors, qu'est-ce que tu veux comme musique en faisant ronfler un petit moteur? Voiture téléguidée. Ça paraît assez évident. Un bon son au pays des gratte-ciels. Ok. Il y a deux graines. Là, c'est la lune du taxi. Enfin, du sphinx. Yep, c'est ça. Du coup, il y a deux graines. Il faut que je trouve les pots. Alors...
Ah oui, on a les 500 lunes. On peut aller jusqu'au côté très obscur de la lune. Voilà, donc. C'était ça le secret. Donc après, le côté obscur. Il y a le côté très obscur et oh, j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. Alors, je me concentre un peu. Alors j'ai appuyé sur B et j'ai dû prendre un petit rebond avec le... Ouais. Du coup... Ah. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Oui, donc du coup, je vais pouvoir... Il y aura pas mal d'uploads dans les jours qui arrivent parce que la connexion, notamment des rediffs de live, hein, la chaîne secondaire va prendre plus 30 vidéos en 2 secondes. Donc ça c'est cool, mais du coup je m'excuse d'avance en fait pour les voilà pour les notifications des gens qui sont abonnés à la chaîne secondaire tout simplement. C'est vrai que ça va être terrible pour vous. Je vais... Hey. Je sais pas si c'était des lunes du cube ou pas. Et... Peu importe. C'est des lunes. À ce niveau-là, tout est pareil. Par contre, j'aimerais bien... Non ! Je vais le reprendre pour monter. Parce que l'endroit qui est là m'intéresse bien. Du coup... Va y avoir pas mal de d'uploads dans les jours qui arrivent et pour le reste je vais bien voir avec mon emploi du temps quand je l'aurai, c'est à dire à l'heure où je tourne cette vidéo c'est demain, donc on verra bien comment ça se profile, mais ça devrait le faire, je suis confiante. Et au pire, je ferai en sorte que ça le fasse. Là, j'ai pas envie. Ah, on va se fail autant que sur le truc avec le mouton la dernière fois. Hein. Je sais pas si c'était la dernière fois. Si, 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 c'était la dernière fois. Voilà, et alors j'en ferai une vidéo quand l'heure sera venue. On dirait que je vais mourir. Mais j'ai commencé à prévoir tout ce que je ferai en 2021. Oh là là! Et 2021 sera une année bien sympa. On peut pas reculer. C'est pas ça que je voulais faire. Non, bah on va attendre qu'ils se finissent. Pourquoi? Du coup, j'ai commencé à prévoir pas mal de trucs pour 2021. Ça va être une année très, 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 très chargée. Très incertaine aussi, en un sens, mais il faut des périodes où on teste des trucs sur YouTube pour s'en sortir. Et j'ai envie
de sortir de ma zone de confort. Donc... j'ai réussi à me sauver. Exceptionnel. Du coup, je testerai plein de trucs et ça va être bien, ça va être bien. De quoi on pourrait parler d'autre? Parce qu'il y a plein de trucs dont on peut parler finalement. Je vais me couper une veine. Oui, le Pokémon Direct. Alors, comme à chaque fois que Nintendo ou un jeu qui est lié d'une manière ou d'une autre annonce quelque chose, Internet enflamme. Par contre, j'ai regardé le Nintendo Direct et pourquoi il y a autant de trash talk? C'est une question que je me pose véritablement. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de gens mécontents. Il y a des gens qui disaient c'est hyper vide, c'est pas le sentiment que j'ai eu. Il y a des gens qui disaient ils annoncent des annonces, c'est pas non plus le sentiment que j'ai eu. Il y a des gens qui sont pleins du clip, je les trouve absolument génial. Enfin, non, il y a des gens qui ont dit que le clip avait rien à faire là, mais ouvre les yeux. Enfin, non, bon, désolé, c'est un peu méchant. Mais si le clip a quelque chose à faire, parce que. Enfin, je veux dire, il suffit de connecter les éléments entre eux. Regarde le clip, regarde les éléments du clip et regarde le tournoi de stars de Galar. Et normalement, tu trouves déjà un rapport. Moi, en tout cas, j'en vois un. En fait, si vous demandez pourquoi je passais par là... depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait une lune, mais... Ah, j'y étais en plus, là. Bon. Donc, bon, voilà, je suis... je suis hype pour ce deuxième Pokémon, ce deuxième DLC de Pokémon Épée Bouclier. J'avais peur pour les légendaires des autres versions, ça a l'air très très bien amené, donc on verra bien. Mais ça m'a l'air très bien au final. Mes inquiétudes se sont un petit peu dissipées et c'est pas... le lore est pas super là, mais... enfin, je veux dire, si on connaît le lore, on peut se demander pourquoi les Pokémon légendaires des autres régions sont présents ici, parce que ils ont un rôle à jouer ailleurs, mais on va dire que dans l'Ultra Exploration, c'était pareil, enfin... Après, bon, c'est pas la première fois que ça arrive, genre par exemple, Zygarde à Alola était là parce qu'il y avait des problèmes d'équilibre de la nature et que c'est lui qui les régit, même s'il le fait à Kalos à la base. You get my point, et j'en ai marre de me rater ici. Et par contre, on va changer le sujet parce qu'on est en train de jouer à Mario Odyssey et je parle de Pokémon, donc c'est pas très... c'est pas très, voilà. Et du coup, de quoi d'autre on pourrait parler? Oui, bah on est le 29 septembre, au jour où je tourne cette vidéo. Ce qui fait qu'on doit pas être loin du 10 octobre, le jour où sort cette vidéo. Ce qui fait que mon anniversaire approche. Et cette année, anniversaire, pour moi, ça veut dire upgrade de setup. Je vais changer de micro. Mais écoutez-moi bien, c'est la dernière fois que je change de micro. Parce que je vais prendre un micro... de type tellement bon que t'as pas besoin de le changer. Je ne vous dis pas encore ce que c'est parce que... parce que scooter de haut vol. Ouais, bah scooter de... j'ai pas envie de passer le permis. Du coup... je vais changer de micro et je vais me faire un vrai setup son. Donc déjà, quand en live ou en vidéo vous m'entendez taper le micro, ça n'arrivera plus puisque ce sera un micro sur pied. Ce sera plus un micro sur casque parce que c'est vrai que depuis le début j'ai toujours eu des micros sur casque. En fait, je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, faudrait peut-être commencer à upgrade un petit peu. Ah ouais, non, mais...
Oh, il a sauté. Je rêve. C'est un scandale. Oh. Super. Franchement, les trucs de plateforme entre les toits, ça m'avait pas manqué. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous donner comme news? Ben, en fait, actuellement, les infos que je pourrais vous donner qui me passent par la tête, c'est des trucs que je pourrais vous dire dans une vidéo pour 2021. Mais après, peut-être que cette vidéo, du coup, je pourrais la faire. Enfin, en fait, j'ai pris l'habitude de faire une vidéo sur l'année qui arrive, vers mi-janvier, parce que c'est en même temps l'anniv de la chaîne. Parce que l'anniversaire de la chaîne, c'est le 14 septembre. Le 14 janvier, pardon. Ah, il y a un pot ici. Attendez, donc si je suis en bas. Ok, bon, bah, on va aller chercher une graine. On va aller chercher le lapin après. Donc du coup... Bam. Attends, il faut que j'arrive dans la cage d'escalier. Ah, parfait, parfait, parfait. Du coup, oui, bon, bah en fait, je vais me taire sur ce que... Ça va bien se passer aujourd'hui. Je vais pas... Les trucs qui viennent en tête, c'est exactement ce que je dirais dans la vidéo 2021. Donc je vais pas les dire, mais cette vidéo d'ailleurs sera peut-être... Enfin, sera probablement un peu écrite. Je l'ai déjà, c'est bon. Sera probablement un peu écrite. Histoire que je me perde pas. Mais du coup, j'en profite pour le dire, alors je le redirai sur Discord. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour le rappeler, mais c'est important. Rejoignez le serveur Discord si vous voulez être actif dans la commu. Parce que je fais beaucoup de choses sur mon serveur Discord. Il est super ce truc qui te projette dans le void. C'est magique. Bon, je pense que tu es plus censé l'utiliser pour te projeter de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Bon, c'est vrai que je sortais de là. Ah, du coup, je vais pouvoir retourner voir le lapin. Voilà. Je saute dessus direct. Ça va plus vite. La pichou dans les gratte-ciel. Ok. Alors en fait, c'est pour ce pays, c'est plus des pièces violettes dont j'ai peur, hein, si je suis honnête. Ok, je me suis rappelé de la touche. Donc pour ça, sur un câble entre deux tours, pardon. Si vous ne saviez pas, sur une ligne, s'il y a des pièces ou une lune, vous pouvez appuyer sur X. Oh, ça lagouille un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Peach. Les gratte-ciel, la foule, les embouteillages, il y a tant de choses à voir ici. Il y a tellement de monde, c'est un peu intimidant. Ah bah, je connais bien ce sentiment. J'ai trouvé une lune en me baladant, je te la donne. Merci. Bam. Merci, merci. Et tu sais quoi, j'ai envie de voir la mer. Ah, je vois un truc que j'aime pas trop. Hein, lol. Donc là, il y a les trois sœurs la mode. Enfin, il y a les trois sœurs qui... Ah non, elle ne me parle pas. Ok, je pensais que c'était comme au pays du lac qu'elle voulait voir trois costumes. Nope. Voilà. Ouais, bon, hein. Je crois qu'il y a une lune parce qu'il y a des frouchottes plantées dans un mur. Là-bas. Ouais. Yes. Ok. Ah, franchement, j'ai hâte de retourner au pays de la cuisine. Mais du coup, ouais, donc.
rejoignez sur le Discord parce que cette vidéo, quand je la ferai, plus j'en parle, plus je me dis que je vais la faire juste après cette... genre dès que j'ai fini de tourner ça, je vais tourner la vidéo en question. Je pense que je vais faire ça. Donc du coup, une vidéo va arriver sur la chaîne, je sais que c'est... ce que j'ai... enfin, je sais que tout ce que je dis est très décousu, mais bon, c'est pas nouveau que j'ai du mal à m'exprimer tout le temps. Héliport. Je viens de me rappeler de ça. Waouh, hey. Heureusement que je m'en suis rappelé. Alors, je l'ai pas dit à l'oral, mais je m'en suis rappelé quand... quand on est arrivé dans le pays, je me suis dit... le H. Il y a un truc à faire sur un héliport. Ok, vraiment, il y a des recoins dans tous les sens. Alors là, il faut que j'amène un scooter. Je sais plus du tout comment faire, mais on va descendre. On va prendre la ligne électrique qui est là. Bonjour. Ouais, ça j'en étais sûr. Le chien, c'est une lune du cube. Okay. Alors c'est relativement cool parce que cet endroit est pas comme s'il était très grand. Donc finalement, on va... on devrait pas trop galérer. Vers le checkpoint. Pas vers le checkpoint. Ah. Vas-y, cherche. Cherche. Je suis plus une 4 personnes que... yeah. Je suis plus une personne à chat qu'une personne à chien. Mais c'est pas grave, alors est-ce qu'il reste... non, il n'y a plus rien à faire ici. Il paraît que la mère a égaré un sac à main il y a longtemps. Je suis presque sûr de l'avoir déjà ramené. Pah. Et... chou. Out of bounds, allez. Gratuit. Ouais, le chien il trouve des trucs. Bon. Qu'est-ce que ça, c'est des pièces. Oh, rends-moi capi. Bon, allez. On te laisse, toutou. Donc. Ah, attends. Bonjour. Ah, d'accord. Alors. Par là-bas. Là, on peut... on peut wall jump. Oh, 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 attends. Ah, je suis déçu. Je suis très déçu. Non, alors du coup, il me semble que j'avais dit quelque chose de similaire dans un épisode, mais certes, je me souviens pas des lunes que j'ai déjà faites ou non dans un pays, mais je vais pas aller, enfin, à chaque fois que je me dis, il y a peut-être une lune là. Ouvrir la liste des lunes et regarder s'il y a avec le nom un truc qui correspond. Ça serait juste beaucoup trop long à chaque fois pour récupérer juste une lune. Je pense que le gain de temps ne serait pas forcément exceptionnel. Bonjour Pauline. Je t'attendais Mario, la rumeur de tes exploits au pays de la lune a déjà fait le tour du monde. Puisque tu me fais l'honneur d'une... ah, un quiz sur Pauline, je sais pas si je l'avais déjà fait. Les machines, les gâteaux, les fleurs. Damn, j'irais les fleurs quand même. Ah non. Ah bah les... quelque chose de plus sucré que les fleurs et qui sent meilleur si c'est les machines, franchement. Ah les festivals. Il y avait les festivals, les machines, les gens, c'est les machines. Et quelque chose de plus sucré que les fleurs et qui sent meilleur. Pour moi c'est un gâteau. Hein. La marche, les voitures TG. L'art floral. Je suis en froid avec une machine. Alors, hein? Quoi? Attends.
Si je pouvais... Ah, mais je lis pas la question à chaque fois. Si je pouvais partir en voyage tout de suite, où est-ce que j'irais? Dans la forêt, dans les nuages, à la mer? À la mer? Ah là là. Est-ce que je remplis bien mon rôle de mère? Brillamment. Brillamment, évidemment. Mais pour le coup... pour le coup, oui. Un mouton, un tanuki, un gorille. Des trois, un mouton, c'est le seul qu'on voit dans le jeu, mais... je sais pas, un gorille. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai prévu de manger ce soir? Salade verte. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux de... J'aime pas les trucs amers, la salade c'est pas hyper... Enfin, bah, ça dépend de comment tu l'assaisonnes. Hein. Ton sac à main ou ton chapeau? Ah, ton sac à main parce que tu l'avais perdu. Ah oui, Qu'est-ce que j'aime comme style de musique? Ah bah plutôt jazzy. Et ça par contre on pouvait savoir. Qu'est-ce que je fais pendant mes jours de congé? Bah du chant. Elle a chanté au festival. Bon là ça va. Qu'est-ce que j'aime parmi les choses suivantes? Les gâteaux, parce qu'elle a dit qu'elle était en froid avec les machines à une autre question. Qu'est-ce que j'ai prévu de manger ce soir? Champi sauté du coup. Ah, t'es amateur de champignons Mario? Non. Tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui. D'accord, et eh ben attends, tu me dis un truc là ou... Ok, bah du coup je sais, il faut retourner au parc et là il doit y avoir son sac à main perdu. La mère a égaré un sac à main il y a longtemps, mais il est pas là son sac à main. C'est un pigeon, c'est pas un sac à main, ça. Mais où est... Où est le sac à main de Pauline? Je vais me mettre à chercher... des zones. Ça ne pourrait pas faire un cadeau pour Madame la Mère, ça. Ah, un chapeau. Bah... Elle en porte un, donc je pense que... Je pense que non. Là, il faut une tenue de chantier pour entrer, je m'en souviens. Il y avait une plaque d'égout qu'on pouvait ouvrir. Il y a un grand classique qui passe en ce moment, je veux pas rater ça. Ah, je sais plus si on l'a fait ça. On peut jouer à Super Mario Bros. D'ailleurs, je fais actuellement Super Mario Bros en let's play. Ah non, je l'ai pas fait. Oh, l'inertie est tellement bizarre. Alors déjà, tu peux retourner en arrière. Je sens que c'est pas le jeunesse. Hein. Bon, je rigole évidemment, c'est pas. C'est pas fait pour que ce. C'est pas fait pour que ce soit le jeunesse. Mais par contre. Je viens de me rappeler que la lune secrète était potentiellement ici, en dessous du grand écran. On joue à Super Mario Bros. Dans un théâtre. Qui peut dire cette phrase? J'ai joué à Super Mario Bros. Dans un théâtre. Peu de gens. Yes. T'as toujours une inertie pas terrible, hein,
au niveau des sauts. Ça par contre c'est sûr. Bon j'ai gardé mes... Oh, j'ai gardé mes 4 fragments de lune. Faut que je retourne à la fin du niveau. Qui aurait cru que le monde 1-1 pourrait être si long? Pas moi. Alors... Oh... Yay! Finally! Du coup, est-ce qu'ils vont m'applaudir quand je vais prendre cette lune? En haut du grand écran. Eh bien oui, j'allais dire eh bien non. Eh bien oui. Waouh, c'est fou tout ce qui se passe. Alors, Ah. Voilà. Ah, on a déjà fait ici. J'allais dire, je me souviens très bien de cette zone. Ok. Du coup, je parlais d'upgrade de setup en début d'épisode. Et pour ceux qui veulent savoir quand est-ce que je vais upgrade mon boîtier de capture pour en avoir un qui peut record en meilleure qualité. Quand je l'aurai, c'est une excellente question. Pour tout vous dire, j'ai un modèle très précis qui est pour moi le boîtier de capture parfait. Que j'aimerais beaucoup avoir. Le souci, c'est qu'il... Oh, je dirais pas qu'il est cher. Peut-être simplement qu'il est onéreux. Comment ça, c'est la même chose? Alors, allez, faisons ça. Comme c'est fatigant. Enfin, comme j'aime pas. Mais qu'il faut bien le faire. Oh là là. J'ai même pas vu le parcours entier. Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est mort. J'aurais pu le faire, mais... j'ai pris un chemin beaucoup trop long, hein. Je sais pas par où passer, clairement. Par là, c'est pas mal. Par là, c'est pas mal. On est bien en termes de... Ouais, c'est sympa. Bon, bah, je vais refaire la même chose. Il y a moyen de faire plus rapide parce que j'ai été lente sur le saut et j'aurais pu ne... Enfin, sur le saut à la fin, sur le plongeon. Et je peux ne pas me bloquer au sol quand je saute au début. Enfin bref, il y a moyen d'aller plus vite. Ta-da-da!
Ok, j'ai re-raté mon saut, clairement. Il y a un moyen de faire encore plus rapide, mais je vais pas je vais pas le refaire. Pays des gratte-ciels, on expire. On a déjà 18 lunes. Mais alors, je sais pas par où on est censé lui amener son scooter. Lui. Ah, il y a l'oiseau. Ah, il y a l'oiseau. Alors, on va faire les lunes du cube, hein. C'est les plus simples à faire. Qu'on refouille tous les recoins en fait. Parce qu'à tout moment on peut avoir loupé des pièces violettes, c'est terrible. Genre là. Qu'est-ce qu'il y a là avec cette caméra des plus infernales? Ah, bah exactement ce que je viens de dire. Surtout qu'on a eu un endroit genre très similaire tout à l'heure. Ok. Par là. Ça, je viens de m'en souvenir, mais effectivement, c'était pas loin que ça plein. C'était pas là que ça pointait. Ah, il est là-dessus. Je pense que les pièces violettes qui nous manquent, elles sont dans des zones. Oh. J'ai aucun souvenir de cet endroit. Ah si, c'est bon. Si, si, c'est bon, j'en ai des souvenirs assez clairs même. On voit absolument rien. Oh. Super. Lol. Ok, alors. Bonjour. Un îlot dans les ténèbres. Ah bah oui, là on peut en parler. Il y a effectivement des ténèbres. En fait, j'ai juste peur qu'il y ait des pièces violettes ici. Oh oh! Pas bon ça. Il
Ah ouais, le saut. Escaboum dans les ténèbres. Très sympathique, ma fin. Ma foi, très sympathique. Alors, on va fouiller un peu les recoins. Oh. Bon, on va pas fouiller les recoins. Ok, je suis à l'arrière. Donc on va sortir. Et on va revenir. Et Capi va nous dire s'il nous reste des choses à récupérer ici ou non. Direct dedans. Bonjour. Ah, le sac pour Pauline. Il est là. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de pièce violette ici. Il nous reste le troisième pot à trouver. Oui, ça ferait un beau cadeau pour la mère. Il nous reste le troisième pot à trouver pour planter une graine. Ah, génial, la petite référence à Donkey Kong, là. Bonjour. C'est grave. Qu'est-ce que tu as là? Un sac à main? Il est superbe! Et oui! C'est pour moi comme c'est gentil! Et oui! Donne-moi ta lune! Exceptionnel! On est à combien? 55 sur 81. Ça avance pas mal! Allez, qu'est-ce qu'on a par là-dedans? Alors, je sais qu'on peut refaire un festival. On va pas le faire parce qu'il y a rien. Enfin, y a rien de particulier. Juste voir s'il y a des trucs un peu cachés là-dedans. Il n'y a pas l'air. Et ça swing là. Hein. Ok. Oh. Je prends toujours. Il me semble que par là-bas... Ouais. Je me rappelle de toi. Ce que j'aimerais, c'est croiser un clown pour me payer une bonne tranche de rire. M'en trouver un ici, c'est pas gagné. Toi, je vais pas t'offenser, mais t'as rien d'un clown et c'est bien dommage. Faut qu'on ait acheté le costume de clown. Juste avant, tu penses que je le fais, ce saut? Clairement pas. Au revoir. Bonne journée. Alors. Il y a une lune là. Bon. Elle est où la lune en question? Elle est sur le sol, hein. Elle est peut-être planquée dans le sol, j'en sais rien. Salut. Il y a la tenue de golf, alors on va acheter. La tenue de chantier ici, parce qu'il y a une zone à faire avec. Donc, on passe vite fait sur plein de tenues qu'on a débloquées. J'ai déjà la tenue de clown. Très bien.
Pouette. En plus, il a du maquillage et tout. J'ai pas vu si j'avais acheté la lune dans ce pays. Peut-être pas. Hein. Ah, peut-être pas. Ah, j'ai pas acheté une lune ici. Oh, j'étais pas dedans. Donne-moi ma lune. Affaire en or à New Donk City. Retournons au fond de la ville. Par là-bas. Allez voir ce monsieur. T'es un clown, excellent, j'en avais vraiment besoin. Merci mon vieux, tiens, prends ça. Alors franchement, quand t'as passé, enfin, que ce soit une journée ou une période ou peu importe, où tu te dis qu'il y a une routine ou même où tu te sens pas très bien et tout, rigoler un bon coup, c'est la meilleure chose. Alors je vous montre parce qu'il y a deux lunes du cube qui sont pas les mêmes, enfin qui sont pas au même endroit. Qui sont là. Alors, il y en a une là qui va se placer à l'autre bout du monde. Ah non, c'est vrai. Ah non, elle va se placer là-dessus. Il est fatigant à obtenir. Ah bah ça va en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête elle était plus fatigante que ça à obtenir cette lune. Et il y a autre chose ici. Ah bah c'est là-dedans. Ah, j'ai pas fait ça. Oui, il y en a une en hauteur de lune. Et du coup, après, on va retourner à la boutique. On va utiliser quelques-unes de nos pièces violettes pour acheter le costume de d'ouvrier. Hein, le, je sais pas comment il s'appelle dans le jeu, mais ah non. Ah non, je me rappelle de ce qu'il y a. Ok. Ok. Donc il y a effectivement, il y a une troisième lune ici. Il y a un chapiforme à trouver. Enfin, ici, il y a un des deux amis du chapiforme qui était à l'entrée, qui a dit « Je suis venu avec deux copains, mais je sais pas où ils sont. » Mais on va le voir, enfin. Je sais qu'il est là, je m'en rappelle, mais. Normalement, on le voit. Toi, 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 toi.
Ah, c'est toi. Comment tu m'as trouvé? J'étais super bien caché pourtant. Oui, j'avoue. Tiens, prends ça et fais comme si tu m'avais pas vu. Cache chapeau dans la foule. Et du coup, on s'en va. Donc, on va aller acheter la tenue de Mario Maker pour rentrer dans la salle. Ah! Il y a quoi ici? C'est ici que je m'entraîne. Mmh. Très bien. C'est ici que je suis sûr qu'il y a des pièces violettes. Parce que vu la tête de la zone... Haute voltige dans les hauteurs. Joli pléonasme. Du coup, c'est ici que commencent les choses sérieuses. Moirf. Ok, ça par contre... Ah bon. Donc déjà j'avais raison. Les 5 dernières sont peut-être pas là, mais... Y a même pas les PNJ pour nous dire waouh, incroyable. Bah non, parce qu'ils arrivent pas à passer. Peut-être pour ça aussi. Waouh, la caméra. Elle était pas prête, la caméra. Ok, bah du coup, alors c'est cool hein, mais sinon on y retourne comment là-bas en fait? Oui, je sais qu'on a plus rien à trouver ici, Capi. Ah, c'est par là qu'on sort normalement. Ok, bon. Alors, comme je suis une flemmarde, voiture téléguidée. Hmm, y a un truc à faire encore là? Y a une lune du cube sur la voiture téléguidée. Je sais pas trop ce que ça peut être, mais... Ah non! Ah non, 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 c'est dans le... La salle où on fait de la voiture téléguidée. Alors, la tenue de Mario Maker, la tenue de chantier, c'est bien ça. Non pas d'ouvrier mais de chantier. Allez. Tin 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 tin. Ta la la tin 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 tin. Pou 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 pou. Ouais. Hiya. Je ne peux pas vous laisser inspecter le bâtiment si vous n'avez pas la tenue de protection réglementaire. Votre tenue et tout ce qu'il y a de plus réglementaire, c'est parfait. Bam, bonjour. Alors, what's up on here? Ok. Donc... Ça marche. Là-bas, ça a l'air d'être la suite. Et là-bas... Oh, sérieux. Bon, en même temps, franchement, la lune... La lune cachée de la zone aurait été là, j'aurais un peu...
c'était pas terrible quoi comme cachette. Enfin comme cachette. C'était pas une cachette. Oh oh. Attends. Tac. Hop. Ah, elle est là la lune cachée, mais pourtant il y a une plateforme. Attends, j'ai peut-être trouvé dans la caisse sur le toit. Ok. Donc la lune cachée était là, certes, mais là-bas il y a un truc. Et j'ai peut-être trouvé les dernières pièces violettes hein, finalement, parce que. Franchement, tu veux mettre quoi là-bas? Il y a que des pièces. Oh non. S'il y a que des pièces, c'est nul. Ah, je suis déçu. Bah, je trouve que franchement, c'était un bon endroit pour mettre 5 pièces violettes. Ok. Ah, il y a des. Yeah. Ok, bon bah je suis un peu. Ouais. Je suis déçu de pas avoir trouvé les dernières pièces violettes là quoi. Zzz, ligne en travaux. Et c'est la 30e lune qu'on a sur nous. Ce qui veut dire que c'est notre 526e lune tout court. Je sais faire des maths de tête. ok. Alors, on va retourner là, on sait jamais. Là, on y a déjà été pendant la trame principale de du pays. Et Capi nous dit rien. Capi nous dit rien comme si on n'avait jamais été là. Alors qu'on a déjà été là, preuve, il y a des. Il y a des pièces violettes déjà prises là. Ok. Je prends ça. Tac. Bonjour. Il y a une lune cachée en haut. Je suis sûr que je l'ai déjà prise. Voilà. Mais si Capi nous dit rien. Il y a. Oh, je pense qu'il y a quelque chose ici. Hein. Le sorcier par là, ouais. Ah, voilà. Faut rebrancher la lime. Clac. Double the juice. Et du coup, il y avait une lune. Bricolage à la centrale. Pas de pièces violettes. Je suis deg. Il y a des pièces tout court. Là-dessus, aucun problème. Pas du tout de pièces violettes. Et la caméra. Allez. Visiblement, c'est tout et j'avais pas vu, mais on est passé au-dessus des 2000 pièces. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, tant mieux. Je me souviens de cette zone-là, la course avec le T-Rex, j'ai pas envie de la refaire.
Non, clairement pas. Alors j'ai peut-être un dernier endroit où les pièces violettes pourraient être. Là on peut prendre le taxi. Et si on se déplace, on va dans la ville assiégée. Je me souviens de cet endroit. Je crois qu'on n'a pas encore récupéré toutes les lunes ici. Fair enough. Mais c'est pas des lunes que je cherche. Enfin, si, aussi, mais... Alors, je vois rien. On a récupéré la lune principale, mais il nous en manque une. Bon bah on va... J'ai perdu mon moyen de monter en haut. Mais je peux passer de l'autre côté. Je sais pas trop ce que je fais là. Si elle est là, la lune, franchement, c'est nul. Il y a peut-être moyen d'aller plus haut encore. Pas un bloc caché ici. Ah, il y en a qui m'atteignent quand même. Hein. Si je me mets là, personne m'atteint. Mais je peux pas rester là. Ah, c'est terrible.
tête planquée là-bas. Oh, mais ça suffit par contre. Les chutes nulles. C'est pas au programme. Oh, quoi? Bon. On ressort de là parce que on trouve pas. Et comme j'ai dit, pour l'instant, si je trouve pas, je vais pas pousser. Je vais juste aller voir si la graine... Mais je pense pas. Ah bah si. Et bon, on finit sur ça. La plante sur l'immeuble a fleuri. Voilà. Donc du coup, oh, on va se mettre là. Oh, allez, bon. Allez, why not? Ah bah j'ai même pas battu mon record. Allez, on chope cette lune et puis on finit. Faut que je me prenne moins de murs, c'est tout. Ah, 25-31. Ça se trouve, la lune, il faut la voir en moins de 25 secondes, tu sais. Ah bah non. Ça passait. Bon, et ben voilà. Champion de voiture téléguidée. Wow. Est-ce qu'on a encore la croix sur la map? Et non. Ok, bon, et bien du coup... On va s'arrêter là pour cet épisode de Mario Odyssey, quand même pas mal, hein, 33 lunes et toutes les pièces violettes sauf 5, pour un pays aussi large que celui-là, c'est quand même pas mal du tout. Donc du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode de Mario Odyssey vous aura plu, moi il m'a plu comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, allez bye bye.